what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my world on fire. J'espère que vous allez bien, petite mine du matin. En fait, j'ai bien dormi et en même temps, j'ai mal au dos. J'ai mal au dos, mais c'est pas parce que le lit n'est pas confortable en fait. Hein. C'est parce que dès que je change de lit, moi, d'endroit où je dors, j'ai mon dos. Il faut quelques jours pour qu'il s'y passe parce que j'ai mal. Mais autrement, on a super bien dormi. C'était très très calme. Et puis, c'est les petits oiseaux, les trucs qui chantent. Et du coup, c'est agréable. Voilà. Même si hier, on a été un petit peu. Enfin, j'étais réveillée cette nuit. J'ai réveillé Greg du coup. J'entendais un bruit en fait. Je dormais là au fond, contre la fenêtre en fait. Et j'entendais un bruit contre la fenêtre. Et puis après, j'ai senti quelque chose me toucher. Du coup, j'ai réveillé. Je dis putain, il y a un truc dans la chambre. Je sais pas c'est quoi, mais. Et en fait, il y avait une bigue. C'était un papillon de nuit, je pense. Il était énorme quoi en fait. Donc, du coup, Greg s'est battu avec pour le mettre dehors. Ah oui, j'en ai deux en plus. Ouais, mais attends, et j'y me touchais et tout, j'arrivais pas, et puis ça faisait. On avait l'impression, ben, je sais pas, je pense qu'il essayait de sortir ou quoi, mais du coup, voilà. Ah oui, Greg s'est battu avec pour essayer de l'attraper. Mais autrement, oui, on a très bien dormi. Ils viennent de nous ramener le petit déjeuner, donc je vais vous montrer. En fait, on a un beau petit déjeuner avec des viennoiseries, des baguettes. On a pris notre petit café en se levant ce matin, dehors. Avec le chant des oiseaux et des arbres comme toi. On a regardé un petit peu au niveau des restos et tout. En fait, on connaît rien dans les environs. Et du coup, on ne sait pas du tout vers quoi s'orienter pour ce midi. Voilà, on aurait dû... On peut demander à Chine. Ouais, peut-être. Ouais, on peut peut-être leur demander un truc pas loin qui est sympa. En fait, on chercherait une petite auberge... avec des spécialités régionales ou un truc comme ça. Même si c'est notre région, plus ou moins, parce que c'est la Picardie. Donc, on est dans l'Oise, ici. Donc, c'est un peu ce qu'on mange à la maison. Mais voilà, c'est justement ce qu'on recherche, plus ou moins, quoi, en fait. Parce qu'on n'a pas envie de se taper une chaîne de resto ou un truc, quoi, en fait. Ou des trucs réchauffés, c'est ce que je vous disais hier. On veut du fait maison. Bon, allez. On va déjeuner, puis ensuite on va aller s'habiller. Hier, la douche, je sais pas ce qu'il y a, on a eu un gros fou rire avec Greg. En fait, on a commencé à se savonner et tout. Tu t'es savonné, tu t'es lavé. Je me suis lavée, j'étais pratiquement rincée. Greg a voulu y aller aussi après. Et en fait, je sais pas, il y a plus d'eau. Mais on va leur demander, hein, mais je sais pas, est-ce qu'il y avait un horaire pour les douches ou je sais pas quoi. Mais du coup, bah, il n'y a pas pu se rincer, il était plein de savon, il a pas su se rincer. Alors arrivé un moment, il a joué avec les robinetteries, là, elle est revenue deux secondes, il s'est dit, ouais, chouette, c'est bon, mais ça a duré deux secondes. Donc du coup, il a dû faire, se rincer tant bien que mal, quoi, en fait. Et, mais oui, c'était... C'est pas ce qu'il y a eu. Alors, on a été, il était 9h30, donc est-ce que c'est ça qu'il coupait l'eau? J'en sais rien. Parce que plus d'eau froide, plus d'eau chaude, quoi, en fait. Hein. Il s'est dit, bah, je vais brasser à l'eau froide, mais il n'y avait plus rien du tout. Et mais du coup, ouais, on sait pas. On va leur demander, du coup. Bon, allez, on va déjeuner. On est en train de profiter des derniers instants. On a fait quelques photos aussi. On va ranger, nettoyer, laisser un petit mot dans le livre d'or, puis... On va aller rendre les clés, puis voir, puis se mettre en route pour rentrer. Hein? Ouais. Allez. Alors, est-ce que tu as retrouvé mon pompon? Non. Il a perdu mon bonbon. Ah merde. Il est peut-être à l'intérieur, non? Ouais, il est là. Ah, c'est bon. Sauvé. En fait, c'est le truc qu'on met sur le micro pour éviter d'avoir le bruit du vent quand je filme à l'extérieur, même si c'est très rare que je filme à l'extérieur. Bah, ça y est, on est sur le départ.
il n'y avait rien dedans. Je regardais s'il n'y avait rien, qu'on n'avait rien laissé, mais je pense que c'est bon. Ouais. Tout est bon, tout est ok. Hop. Tiens, on a laissé notre petit mot du coup dans le petit cahier. Et en fait, je pense qu'on n'était pas les seuls à avoir été embêtés avec les papillons de nuit. Parce qu'il y a des personnes qui étaient avant nous qui avaient laissé les messages. C'est la même chose, ils étaient écrits aussi. Bon, c'est bon. Il y a la petite chienne qui est venue dire au revoir. Hein? T'es venue dire au revoir? Allez, prends les affaires, puis on y va, on reviendra. Hein, chérie, on reviendra? Ouais. Franchement, c'est très joli. Ouais, mais c'est vrai que l'automne ou l'hiver, c'est ouvert aussi, ça doit être cool aussi. T'es prêt? T'es belle. Hein, t'es belle. Au revoir. Au revoir. Ben, ça y est, on est sur le départ. On a rencontré le propriétaire en sortant. Hier, on avait vu la dame, très gentille. Nous a conseillé, du coup, on lui a demandé. Et nous a conseillé Pierrefonds. Donc, du coup, on va aller jusque là. Il dit que voilà, il y a des lacs et tout. Que c'est super joli. Alors, on lui a parlé de l'histoire de l'eau d'hier, et en fait il était navré, enfin il nous a dit que c'est, il pensait pas en fait être sur le même réseau d'eau. En fait il y a eu une coupure de, enfin il y a eu un problème avec l'eau, il y a eu une fuite d'eau, donc il a dû couper, et c'est pour ça en fait. Donc il était vraiment désolé, il a dit que, mais bon, comme je dis, ça nous a permis de rigoler parce que sur la douche on était... Moi ça m'a bien fait rire de voir Greg plein de savon et d'eau. Tu peux mettre ça? Ouais, chérie. Allez, on y va. On va aller voir du coup jusque Pierrefonds, voir ce qu'il y a. Et en fait, il nous a parlé de Compiègne aussi. Et hop là, il nous a dit aussi que, en fait, je pense qu'on n'a pas été au bon endroit en fait hier sur Compiègne. C'est vrai qu'on connaissait pas, donc. Mais bon, je pense qu'on reviendra parce que franchement, c'était chouette, c'était calme, c'était. Puis, enfin, ils ont une belle demeure, quoi, en fait, un beau terrain et tout, tout en étant très très simple et tout. Franchement, ils rentabilisent tout ça. Et en fait, il nous a dit qu'il avait fait, tout lui-même avec sa femme, quoi, en fait. Bon, allez, on y va. On est arrivé. C'est super joli. Je vais essayer de vous montrer. On a la vue sur un de ces châteaux. Je vais vous retourner. Voilà, je vous montre un petit peu. Comme ça, en voiture. Il y a un truc aussi là, qui a l'air d'être pas mal. Une terrasse comme ça. Ça doit être une belle petite ville. Ouais. Office du tourisme. Alors, qu'est-ce qu'il y a partout? Hop. Parking de bus, non. Château, je vais vous montrer. La sortie de la voiture. Voilà, c'est le château. C'est beau, hein? Un sacré château quand même. Hein, en plus, il fait super beau. I did a lot of bad things. And never did I give in. Just cause the thought of being vulnerable made me feel less than I am. I have never felt home till you entered my door. And from that moment I knew that a home is whatever you choose. Best thing I did, and I want you to know.
years have run by, many tears have dried out. I know that I will be with you. On est en route, enfin ça fait bonne heure qu'on est parti. On s'est arrêté sur une aire de repos pour, alors je sais pas, Greg, j'espère qu'on va arriver en retirer, quoi, en fait. Parce que on va dire qu'il arrête pas de faire gaffe sur la gamme depuis tout à l'heure. Les gars, je le prends. Déjà, il s'est trompé de sortie, on voulait s'arrêter pour mettre de l'essence. Il s'est trompé de sortie, il a pris le truc pour bus. Et enfin, le bus et camion, et en fait, pas moyen de récupérer le côté. Ah, bon, tu vas voir que là, on va pouvoir. Oui, avant on pouvait récupérer le côté voiture, mais là on n'a pas pu. Donc comme il y avait un. Comme je devais faire pipi, qu'on n'a pas eu le temps d'aller faire pipi avant de partir. Enfin, il n'y avait pas de toilette quoi en fait. Je me voyais mal faire un pipi nature. Donc du coup, je regarde ce qu'il fait. Donc du coup, on s'est arrêté. Il y avait un Starbucks en plus. C'est comme Greg commençait, on n'a pas eu notre dose de café. Donc on s'est dit, on va aller chercher un café. On sert de là. Je sais pas ce qu'il m'a fait. Il a renversé son café. Mais le trop fort. Au lieu de renverser son café sur lui, il a renversé sur moi. Mais bien. Regarde, je fais des conneries. Qu'est-ce que tu fais? Je t'écoute. Mais écoute-moi pas. Tu racontes des conneries. Non, je dis pas des bêtises. Tu m'as renversé le café sur moi. Mais merde, à chaque fois, je me fais avoir par les Starbucks qui sont pas. Avec la chaleur du café, ils se ramollissent. Du coup, j'étais remplie de café. J'ai dû me changer dans. Entre deux camions. Heureusement, j'avais des affaires de rechange. Parce que sur mon haut blanc, le café. Donc là, il essaye de nous faire sortir, mais je sais pas. Non, j'ai vu quand je pouvais retourner à la station et j'essaie de. Mais du coup voilà, on a un petit Starbucks qui est en train de mettre son doigt dans ma chantilly. Bah oui, c'est le rond-point de tout à l'heure. Et là, je vais pouvoir aller mettre de l'essence. Attention parce que t'as du chocolat sur ton doigt. Putain. Ouais, on va mettre de l'essence. Et on se revoit à la maison. Voilà. Après tu dors et. Après je dors et puis je laisse tranquille, c'est ça? Mais sur l'aire de repos, il y a un Darty et un truc maison récré là. Non, mais un truc de jouets. Non, mais un Darty, un magasin de jouets. Voilà. Bon, allez. Oh. Mais là, j'ai un Oui, mon chéri. Ah ouais, voilà. Mais lui, il n'y a rien. Une petite tache de café, de rien du tout. Mais moi, il est blindé. Enfin, je sais pas si vous voyez, là, il est là. Il est rempli de café. Je vais pouvoir le laver en rentrant parce que j'espère que ça va le revoir. Ah, c'est lui aussi, c'est pareil. Bon, il faut quoi? J'ai pris un frappuccino café chocolat chips. Il y a des petits morceaux de chocolat donc, dedans, c'est trop bon. Ça me donne des idées de faire des. Pour des cafés glacés à la maison. Petit. Bah, c'est ma gueule, lui. Putain, vas-y, connard, vous. Hey, en fait, le monsieur avait mis de l'essence. Il est resté à la place de station. Il a été chercher son café tranquille. Connard. Depuis tout à l'heure, on attend. Et en fait, quand le monsieur était parti chercher son café. Oh là là, t'es vilain mot, chérie. Zen, on est vacances. Allez, on se revoit à la maison. On est rentré, on est en train de. Vider les sacs, la glacière et tout. Je vais laver mon haut parce que je vais vous montrer l'objet du délit. Ah zut, il n'y a pas mon truc de mon pied. Attendez, je vous mets sur le pied. J'ai retrouvé. On a eu un petit coup de peur parce que Greg avait retiré le. Alors le bitonio qu'on met en dessous de l'appareil photo pour vous fixer sur le pied. Voilà, et ça va, il l'a retrouvé. Il avait enlevé pour faire des photos et puis en fait il avait mis dans sa poche. Donc je vous montre. Regardez-moi ce carnage. Non mais c'est pour montrer que tu m'as pas loupé quoi en fait. Moi je fais jamais rien de. Ouf. C'est tout qui est fait froid. Bon allez, donc du coup je vais le laver tout de suite. Je suis à rien. Et le pire c'est que sur son t-shirt à lui il y a 3 gouttes.
Moi j'ai la tasse à café sur moi. Ah, non plus, toi t'es pas de Marseille toi. Arrête hein, tu m'as versé une bonne tasse à café, c'était un grand que t'avais. Oh bah oui, c'était un grand, j'ai versé à moitié sur toi. Est-ce qu'il y avait des taches sur ton t-shirt qu'il faut que je la coupe vite? Bah oui. Allez, vas-y. Non, on a fini de ranger. Greg est parti au potager. Il est parti arroser. Parce que ça faisait. Bah là, ça fait aujourd'hui, hier, il a fait super beau. Et avant-hier, il n'y avait pas eu le temps non plus d'aller arroser. Donc, il a peur que ça crève de soif, quoi, en fait. Donc, il s'est dit avant de tout perdre, je vais y aller. Et moi, du coup, moi, je suis montée faire le montage de la vidéo d'hier. Comme ça, je prends pas de retard sur le montage et sur la chaîne. Ah, et du coup, j'ai revu les images d'hier. Et, oh là là. Petit coup de cafard déjà. Non, franchement, c'était bien. C'était vraiment chouette. C'était un beau cadre et tout. Les gens sympathiques et tout. Je pense que. Alors, on s'est promis avec Greg. C'était comme on vous a dit, c'était la première fois qu'on faisait ça depuis qu'on avait des enfants. Mais on s'est promis que ça arrivera un petit peu plus souvent. Ça fait du bien de se retrouver comme ça. Enfin, ça arrivait hein, qu'on faisait des petites sorties, mais jamais. De découchage on va dire, mais ouais, c'était vraiment bien, donc on s'est promis de continuer à le faire un peu plus souvent, se retrouver à deux comme ça fait. Et puis là surtout qu'en ce moment voilà, il y a beaucoup de trucs et tout qui se passent et tout, donc du coup ça faisait du bien de se retrouver à deux. Ouais, je vais finir de monter ça et puis ensuite je vais aller voir pour le repas. Kim est déjà en train de commencer, elle s'est proposée de commencer les croque-monsieur ce soir. J'avais prévu, hein, j'avais dit je vais être KO de ma journée, donc j'avais prévu un truc qui va vite. Et du coup croque-monsieur avec de la salade, voilà, ça va être très très simple. Bon allez, je finis de monter ça et puis ensuite je descends voir Kim. On a eu la fête entre Marley, Léo, enfin voilà, c'était grande retrouvaille alors qu'on a découché juste une nuit. Est-ce que tu gères, chérie? Oui, j'ai chaud par contre. T'as chaud par contre? Elle fait les crocs. Nous, on va continuer notre week-end. On va aller voir l'apéro dehors. Oh, je vais venir, il fait frais dehors. Ah, il fait frais dehors. Il fait même limite un peu frais, froid, non? Ou c'est parce que je suis fatiguée? Il y a un petit vent. Martini, blanc. Il y a un petit vent? Hé, hey, regarde. Hey. T'as des concombres? Ah ouais? Faut que tu les ramènes. Ouais. Alors, je dirais que depuis tout à l'heure qu'on a mangé au resto, en fait, quand on s'est assis, non, il y a un monsieur. Avant même. Avant qu'on s'assoie. Avant qu'on rentre dans le resto. Avant qu'on rentre dans le resto. Bon, bref, au moment où on a voulu rentrer dans le resto, donc, il y a Greg qui a tourné un monsieur, enfin, il a croisé le regard d'un monsieur et ils se sont soutenus le regard pendant quelques secondes, quoi, en fait. Donc, on est rentré ensuite dans le resto, on s'est assis et puis ce monsieur est venu aussi dans le même resto. Et pareil, Greg bloqué sur ce monsieur. Et j'étais pas le seul. Et en fait, il me regarde et me dit, je suis sûre, j'ai déjà vu quelque part, ce monsieur. Et il fait, puis je sais pas, j'ai l'impression que lui aussi, enfin voilà, il me dit, il m'a regardé avec insistance. Et j'ai pas compris. Et en fait, quand d'un seul coup, il y a eu l'illumination, il me dit, c'est un acteur. C'est et depuis tout à l'heure, il cherche son nom. C'est vrai que quand j'ai vu sa tête, quand il m'a fait montrer le monsieur, j'ai dit, ah ouais, en effet, c'est un acteur. Sa tête, tu l'es, elle est là. Et tu trouves pas son nom. Et je trouve pas son nom. Non, en fait, c'est ce monsieur ici. Voilà. Et pas moyen de trouver le nom de ce monsieur. Mais ce monsieur-là a mangé dans le même resto que nous. Et il était avec nous quand... Enfin, on s'est baladé dans le parc et tout. Enfin, il était juste devant nous, quoi, en fait. Et quand t'appuies dessus, tu... Ah non, c'est pris une touriste. Mais tu peux quand même aller. Tu fais consulter. Directeur qu'on voit pour des seconds rôles. Et tu lui as même pas demandé un autographe? Ben non, parce qu'en fait, papa, il se savait pas, en fait. Bah, puis même, c'est pas du tout notre genre, quoi, en fait. Mais papa, il s'est dit, ouais, c'est quelqu'un que je connais, mais il n'y a pas... J'ai dit tout de suite, c'est un acteur. J'ai dit, ça, c'est un acteur. Il y a une tête vraiment atypique et... Tiens, regarde. Tu regardes. Il a trouvé. Donc, c'est quoi? C'est pas lui. Dominique Pinon. Ah bon. Et c'est vrai qu'à un moment on l'entendait parler et tout, il parlait de scénario, machin et tout, donc du coup on s'est dit c'est sûr, quoi. Mais
Voilà, alors du coup, ça l'a travaillé toute la journée. Non. Un petit peu quand même. Hein. Je recherchais le film dans lequel je l'avais vu. Oui, ça vient. Mais comme s'il fait des films de son, des rôles de son rôle. Ouais, c'est pas un acteur qui fait des premiers rôles, c'est souvent des secondes. Souvent dans les rôles un petit peu comiques en plus. Hein. Bon, on n'a plus le bruit des petits oiseaux, mais on a le bruit de la fontaine. En fait, Greg s'est installé dans le canapé et il dit à son fils, parce que Angel est en train de jouer, voilà, alors on entend des... Hein? Alors il dit, ah bah, ça par contre, ça m'avait pas manqué. Hein. Et je dis, ah ouais, c'est vrai que nous, on avait le droit aux petits oiseaux et tout. Je dis, mais tu sais, si on mange, on boit l'apéro dehors, tu auras droit à la fontaine. Hein. Alors, c'est dans quel film qu'il a joué? Il y en a? Mais quoi? Hein? Allô? Ouais, si, si, mais je regarde un film. Tu regardes quoi? Là où je peux. Alors, il a joué dans quoi? Allez. 66 ans, il y a. Il connaît. Bah alors Alien. Bon bah Greg, quand il est dans un truc, vous mais pouvez non, parler 10 000 fois avant qu'il vous réponde. Hein. Il n'y a pas joué dedans. Attends, je regarde un film. Il cherche. Bah en fait, il a joué dans pas mal de films, quoi, en fait. Hein. Un long dimanche de fiançailles, Amélie Poulain. Alien la résurrection. Alien la résurrection, le 2. Et puis dans Outlander aussi, Greg m'a dit. Diva. Ouais, je pense. Auteur, bon, après, c'était tous des petits rôles, quoi, en fait. Mais... Ah, il était metteur en scène, peut-être. Ouais. Ah, c'est ça, alors que... Qu'est-ce qu'il fait, lui? J'entends qu'il fait du bruit. Qu'est-ce que tu fais? Voilà. No comment. Vous l'avez... Ouais, on l'a déjà vu. Dans... Marley a pris mon... En fait, il a craqué son doudou, là. Et ben maintenant, il prend... Vous voyez le truc que j'avais acheté pour bloquer la porte, là? Maintenant, c'est le doudou à Marley. Hein? Il attrape et puis pourtant c'est lourd ce truc hein, puisqu'il y a un poids dedans. Mais voilà, ça le dérange pas. Qu'est-ce que tu fais, Marley? Ouais, donc il a retrouvé. Là voilà. Là il ressemble plus à la personne qu'on a vu. Ouais, il y a vraiment Dominique, un visage atypique non. Et que lui ouais. J'ai repéré. Et c'est lui à l'entrée du restaurant. Maine-et-Loire, Saumur, il est né. Ouais. Ouais, en fait, ouais, c'est vrai. Ouais, mais après, il s'est peut-être dit, est-ce qu'il m'a reconnu, est-ce qu'il va me... En fait, peut-être qu'il s'est dit ça, il s'est peut-être dit, est-ce qu'il m'a reconnu, est-ce qu'il va venir parce me demander en fait, un... Il était en face de moi, au trottoir d'en face. Mais moi, je sais pas, toi, je regarde comme ça, puis... qui bloque sur moi? J'ai bloqué sur lui, tout, peut-être quelqu'un que je connais, tout. Et ça, après. Ah ouais, en fait, il a été metteur en scène. Mm-hmm. Après que j'ai dit, quand j'ai vu au restaurant, j'ai dit, ah, c'est un acteur. Ça m'a fait tilt. La petite lumière qui dit, hey, oh Greg, tu connais. Je suis en train de regarder un petit peu. Eh ben oui, il joue dans la. Oui, bah ben oui. En fait, maintenant, il est plus metteur en scène, en fait. Oui. En tant que rédacteur, il n'y a pas. Ouais. Tu regardes parce qu'il y a pas mal d'années entre chaque. Ouais, film, c'est quoi. Ça, il est plus parce que quand on regarde sa biographie, en fait, il y a beaucoup plus maintenant de films. Je pense que le dernier film qu'il a joué. Alors attendez que je remonte. Ah, quoique. Si, il a quand même joué dans Big Bug en 2021. Autrement, c'était 2013 avec l'extravagant voyage du jeune et prodigieux. Mais autrement, en metteur en scène, il en a fait beaucoup, en fait. Hein. Ouais, il s'est plus lancé dans un metteur en scène, en fait. Bon, bref. Voilà. Ça gratte, mon pépère? Il me paraît énorme par rapport à Mila. Ouais, on va manger, chérie. Ok. Je suis en train de manger comme ça sur le pouce. J'ai pas trop faim. Puis ensuite, on va aller promener Marley. Il n'y a pas mangé pendant les deux jours où on n'était pas là. À part ses croquettes. Hein? Ouais, il y a mangé quand même, mais bon. Mon chien. Mon pépère. On va aller le promener, on va aller faire une grande balade. Après, je pense qu'on va aller dans le spa. Puis ensuite, dodo. Je suis KO jusqu'à demain matin. Allez, je vous fais des bisous. Moi, je vais vous laisser là ce soir. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous.
Bon appétit, mon amour. Merci. Partage avec son chien. On partage toujours avec les animaux, vous avez vu, hein? Voilà. Là-bas, on partage avec Mia, là, on partage avec, avec Marley. Mila. 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 Elle paraissait tellement petite par rapport. Hein? Où c'est lui qui paraît tellement grand. Allez, je vous fais des bisous, je vous dis à demain. All the things we've done.